Il y a un album qui sort le 21, cette semaine. C'est un album illustré. Alors, on est reparti d'illustrations d'un scénario de René Goscinny, d'illustrations d'Albert de 1967. Donc c'est un album qui n'a pas été édité, et ce ne sont pas pas une bande dessinée, ce sont des illustrations. Sur un texte de René Goscinny, c'était un album disque, 33 tours, avec des pages, avec des illustrations et un texte de Goscinny. Donc c'est le dernier album sur lequel Albert a un peu collaboré. On a dû rénover toutes les illustrations parce que nous avons dû scanner numériquement les illustrations imprimées du disque. Donc imaginez, c'est de date de 67, c'était imprimé, donc les couleurs passées, des trames d'impression comme un journal qu'on imprimait. Donc on est reparti de ces illustrations-là et on a dû retoucher, rénover le trait et les couleurs pour les rendre vraiment comme les originaux. Donc c'était un travail de plusieurs mois au studio, et c'est le dernier travail qu'Albert a supervisé avant de décéder. Donc cet album sort ici cette semaine, le 21. Donc c'est pas une BD, ce sont des illustrations réalisées par lui sur un texte de Goscinny. Donc et c'est la belle époque des années 67. Vous verrez si vous le découvrirez éventuellement, mais on va en parler beaucoup cette semaine, apparemment. Et surtout, on a la primeur de l'avoir annoncé par Régis. Alors là, je pense qu'on ne peut pas mieux faire.